Rebonjour à toutes et à tous, on se retrouve dans la suite de Trouble Fête. On a éliminé tout le monde, maintenant on va pirater. Enfin, des pas tout le monde, on va le voir. Pas venir te répondre là. Ils sont morts. On appelle Bad Bug. Hey, y'a encore un mec debout? Y'a quelqu'un? Allez, merde! Donc voilà, maintenant on doit se lancer à la poursuite de si du dernier qui reste. Il dira tout à Irak. Si Bad Bug va y et passer. Bad Bug finira par se faire tuer. Donc avec ma conduite toujours aussi belle, je vais aller le neutraliser. Un petit bloc de béton. Donc voilà, il y en a un qui a réussi à nous échapper. Est-ce qu'on voit? Ça, on le neutralise et on va voir qu'on va devoir fouiller des bugs. Las alias Tyrol. Donc là, la neutralisation est assez facile, hein. Attention, il ne faut pas qu'il nous échappe, vous voyez que ça joue à très peu de choses là. C'est à cause de nos petits avantages. Hein. Ah, les voitures sont aussi maniables. Elles sont super dures pour manier quand on va super vite, quand on essaie d'aller vite. La moto est plus maniable. Voilà. Donc là, on va voir que je vais pas le tuer, je vais juste neutraliser. Donc, on va aller de côté. Voilà, direction Apple. Maintenant, voilà. Donc, on fait super gaffe parce que faut le filer sans se faire repérer. Et on voit qu'il est escorté par deux gardes du corps qui vont pas rester longtemps parce que c'est des petites flippettes. Et que quand on a besoin d'aide, les amis sont rarement là. On le sait tous. Ah bah ça, c'est pas banal. Notre soi-disant amis. Donc on fait gaffe en général. Enfin, disons qu'il n'y a pas de cas vraiment où ils nous repèrent quoi. On est vraiment derrière eux. Donc. Voilà, on va appeler notre ami Bad Bug et on va le faire flipper. Comme un autre. J'ai un boulot pour toi. Attention, c'est pas un boulot pour Tyrone, c'est un boulot pour Bad Bug. Je te rappellerai. Non mais putain, c'est quoi ce délire là? Arrête! Voilà, il va demander l'aide à ses potes qui vont se barrer. Y'a quelqu'un après moi? Ils sont tous morts! Faut que vous m'aidiez, les gars! Mec, t'as complètement craqué! Qu'est-ce que tu racontes? Non, pas moyen. Non, non, attends. Merde. En même temps, ils n'ont pas envie de crever, ils ont bien raison. Donc voilà, on pirate le système, merde, le terminal, et on va faire chanter. Tout simplement, on va lui mettre la preuve de ce qu'on a. Et ça va marcher. On va pouvoir se servir de lui. Jamais, mec, Irak va me tuer! Ah ouais? Et il fera quoi quand il verra tout ce que j'ai sur toi? Je te montre la suite. Non! Efface tout ça, s'il te plaît! Sois un bon petit indique et je fais tout disparaître. Je te rappelle. Et voilà. Il est pris au piège. On va pouvoir s'en servir. Et de manipuler. La mission trouble faite, le trouble faite, est accompli. Donc, on commence à partir et on va le rappeler. Pour qu'il nous trouve vraiment la solution pour pouvoir choper cette petite plaque à Irak qui nous permettrait d'entrer dans le lieu où sont les... Enfin, t'arrêtes pas de m'appeler ! Je vais me faire tuer, putain ! Dis-moi comment je peux approcher Irak. Y'a pas moyen, mec. Laisse tomber, c'est cramé. Il sort jamais de sa planque. T'es sûr de ta réponse? Attends. Les enchères. Il sera aux enchères de Queen. C'est quel genre d'enchères, ça? Du genre privé.
c'est pas vraiment une vente aux enchères normale, tu vois. Faut une invitation. Cool, tu vas m'en trouver une. Attends, t'as cru que j'étais qui ? Ok, ok. Je te rappellerai. Tiens-toi prêt. Voilà, on va appeler Clara maintenant, pour lui expliquer la situation. Et on a notre place pour rentrer aux enchères. Comment ça s'est passé ? T'as trouvé un moyen d'entrer dans l'immeuble d'Irak ? Ouais, j'ai convaincu Bedbug, il attend plus que mon appel. Parle-moi de la carte d'accès qu'Irak portait. C'est le seul moyen d'entrer dans cette salle. C'est une radio étiquette. On pourrait la cloner, mais tu dois t'en approcher de très près. Irak va assister à une vente aux enchères. C'est l'occasion ou jamais. Oui, les enchères. Tu te rappelles de la mallette qu'Irak avait avec lui ? Difficile à oublier. Il a fracassé le crâne de ce type avec. C'est ça. Il a dit que sa liste des invités était à l'intérieur. Tu peux me remercier parce que je l'ai suivi. Attends, laisse-moi regarder. Alors ça, c'est bien joué. Si on récupère cette mallette, tu penses pouvoir me trouver un nom sur la liste ? Un nom que je puisse emprunter ? Je pensais justement à ça. Je t'envoie les coordonnées de la mallette. On se retrouve sur la chaîne pour un prochain gameplay. Bye bye !